Haïti, c'est nous-mêmes. Crise pour canal, frontières fermées, en haut pas monter, en bas pas descendre. À quel niveau nous y est réellement? Qui ça qui a passé dans le jour qui a venu là? Qui ça qui a manigancé réellement en bas? Mais surtout, qui j'en crise ça à l'écart résoudre? Dans l'émission Plus Vérité, ça, nous portons en pile information sur vous, mais nous allons aider bien comprendre qui j'en crise là qui a résoudre. Vous connaissez ça déjà, mon d'autre là. Causer à parler de tous côtés, mais vraie vérité, c'est là où je viens. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Éducation, information et bonne information, c'est caractéristique de l'émission Plus Vérité. Nous connaissons déjà l'émission, c'est pour nous lier, faire ça, nous voulons ensemble avec. Crise entre Haïti et Saint-Domingue, nous faisons plusieurs émissions sur ça déjà, nous allons comprendre côté crise la sortie, qui s'est baillé, ou connaissons ça déjà. Dans ce moment-là, à qui niveau nous y est? Dans ce moment-là, dans la première semaine, mois octobre, année 2023, comment ça y est, à qui niveau crise là y est? Crise là, c'est que le président de la République dominicaine a annoncé avant hier que, à cause d'un canal que lui a arrangé, lui nettoyé en République dominicaine, il dit que le canal ça va permettre de jouer une solution ensemble avec les Haïtiens. Et après le fin de nettoyer le canal, ça, il a annoncé que il va commencer à flexibiliser le processus dans le niveau frontière là. Il va commencer à ouvrir la frontière là. Mais qui ça lui-même il relève ouvrir la frontière? Il relève ouvrir la frontière côté il va créer un couloir côté pour les Haïtiens capoter l'argent venir seulement. Il pas parler de rétablir et relations diplomatiques ensemble avec Haïti. Il pas parler de dialogue ensemble avec autorité haïtienne. Il pas parler des haïtiens qui te prend décision injuste pour te annuler et soi-disant visa ou bien pour te interdire tant pour des délinquants entrer en République dominicaine. Il pas parler des questions visa, il pas parler des questions la douane, il pas parler de immigration. Il parler seulement de ouvrir un petit couloir, un petit porte qui pour permettre aux Haïtiens de porter l'argent vini seulement. Et dans la condition ça, nous-mêmes nous posons tête nos questions, est-ce que réellement il y a une certaine méchanceté vers l'autorité en République dominicaine ou bien est-ce que c'est une ignorance qui est capable de arriver dans le niveau ça? Est-ce qu'il n'y a pas gagné au monde vraiment dans le cabinet qui est capable de permettre de saisir le sujet haïtien, les gens qui comprennent problématique ça lui même là le fou était lié ensemble avec Haïti. Est-ce que c'est méchanceté, est-ce que c'est ignorance, nous pas connaître, mais seulement ça nous sûr de lui, nous sûr que dans condition que le président lui voulait pour le temps capable ouvrir un petit porte pour haïtien pour devenir, premièrement nous sûr que population haïtienne là il pas prendre ça dans même ça, c'est un. Deuxièmement, avec une telle humiliation autorité haïtienne yo, qui présent jusqu'à présent qui là comme chef en Haïti, yo pa chan accepter un bagay comme ça. Ça vient fait que l'ordre ou pral ouvert porte ou pral ouvert un petit porte tant pour gens déjà commencé prendre disposition dans différents points frontaliers yo pour permettre haïtien yo porter l'argent venir seulement pour capable abaisser producteur la caille avec décision ça producteur la caille qui a metté chalet en bas de li, yo pral abaisser parce que l'argent va retourner encore. L'argent haïtien qu'on peut venir, il va retourner encore. Ça vient fait que pas bien chalet ça en parler. Lui même c'est seulement ça le besoin résoudre. Mais il pas besoin, il pas reconnaître autorité haïtienne yo, il pas dans question immigration, il pas dans question la douane, machine pas ka entrer, machine pas ka sortir, monde pas ka checker. Ça veut dire qu'il pas gagne relation techniquement, pas gagne relation diplomatique. Il pas besoin retourner dans relation diplomatique ensemble avec Haïti. Là, nous n'avons pas besoin de doute sur ça. Nous connaissons que la population haïtienne, les haïtiens avec toute fierté, les gens haïtiens déjà y est là, je ne veux dire, haïtiens, ils ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas ça parce que leur ouverture pour tout, ou du moins accepter des milliers et des milliers de compatriotes qui ont l'autre pays entrer la caillou. Cependant, on dit que vous n'avez aucune relation ensemble avec l'autorité dans le pays. Ça. Si vous avez un problème qui est présenté, eh bien, vous ne connaissez pas. Si dans la condition ça, on a choisi ou choisi pour être tout. En République dominicaine, eh bien, nous avons dit, sauf quand c'est pas autorité haïtienne, yo, pas gain un yé, y a pas fait pour vous, parce que même yo, pas gain accès légal
pour entrer en République dominicaine. Et en plus, nous connaissons l'autorité haïtienne pas d'abord accepter une telle humiliation. D'ailleurs, je suis capable d'informer que depuis le 26 septembre qui s'est passé là, OEA t'a offert tête li. OEA qui c'est organisation État américain, qui c'est un organisme régional, li t'a offert tête li comme arbitre pour venir faire une médiation entre Haïti ensemble avec Saint-Domingue sur dossier crise ça. Depuis le 26, même côté à Saint-Domingue était déjà bat bravo, il t'a dit oui, il pas gain problème. Cependant, autorité haïtienne tant 15 jours plus tard, qui c'est après le président dominicain vient faire déclaration, c'est là ça autorité haïtienne dit oui, yo d'accord yon médiation ensemble avec un pile mépris. Ça veut dire autorité haïtienne depuis la crise là déclenchée pour façon monsieur avec situation humiliante monsieur était fermé frontière et bien autorité haïtienne pas jamais montré yo trop intéressé par ça pour frontière ta va réouvrir. Ça vient pas comme conséquence. Malgré des matchs président dominicain, malgré les vins dit que les pas ouvert des portes pour l'argent continue à entrer, mais nous n'avons aucune garantie vraiment autour de l'Haïtien jusqu'à présent, pas bail signal, il est trop intéressé à entrer dans une logique comme ça, sans quatre la pas battre sur table parce que il y a un pilote question, il y a besoin pour l'autorité République dominicaine mettre sur table. Mais faut que nous le fait que l'autorité haïtienne et population haïtienne, que nous sommes sûrs de ça, nous n'avons aucun doute. Pas accepter entrer dans la logique ça, et bien conflit à l'Ibal entrer dans la deuxième phase. Dans la deuxième phase conflit à l'Ibal entrer, le fait que Haïti déjà écrit officiellement au et à côté de accepter médiation, République Dominicaine déjà écrit que vous accepter médiation, bon sûr que après Haïti fin rejeté deuxième alternative ça c'est de même pas mettre sous table là, et bien pas gagner on marché précis dans OEA côté yo pas obligé forcer monsieur effectivement venir chita sous table pour y aller dans négociation. Le processus ça bon garanti son processus qui parle pas temps et dans négociation yo pas long. Pour qui raison négociation pas long? D'après ça République Dominicaine gagner sous table là comme réclamation pour le fermer frontière ensemble avec Haïti, yo tout yo chita sous des mensonges. Yo chita sous des mensonges côté vraiment nous même encore une fois nous poser des questions. Est-ce que président c'est méchant li méchant? Est-ce que c'est informé li mal informé? Est-ce que c'est conseiller au cap et induit en erreur? Mais encore une fois, ensemble des questions ça yo n'a chercher réponse. Mais dans la prochaine émission de vérité n'a côté au. Ça qui est réalité, c'est que la commission OEA va mettre pression sur le gouvernement c'est de maintenant pour le capable ouvrir frontières, pour le capable normaliser parce que la décision n'a pas de chita sur aucun fondement réel. Et bien bon, là, il va estomaquer et pas saisir le conflit, le déplacer. Les sortir un conflit Haïti Saint-Domingue, les transformer en un conflit Saint-Domingue avec OEA et ça il y a des graves conséquences encore une fois ça vient faire que j'entends dans cela parler là t'assembler conflit entre Haïti et Saint-Domingue là c'est pas un bagage qui va le résoudre ni aujourd'hui ni demain parce que processus pour bagage là ta résoudre là le bon proverbe qui dit un écou lève la l'école c'est yon. Courir ouvert concourir fermer frontière en gros qu'on y est déplacer la mer dire ou fermer la mer ou fermer soleil ou fermer la lune ou fermer la terre ou fermer en l'air ou fermer tout côté fermer c'est yon mais ouvert c'est deux processus qui pour ta ouvert frontière ça pour relation des pays ta vie normaliser et bien ou même quand on honneur qu'a regarder mission plus sécurité nous dou gagner t'assembler gain bon de 3 jours qui gain pour passer encore parce que vraiment chemin la longue et au lieu pour République Dominicaine d'entrer en conscience, entrer en dialogue ensemble avec Haïti, il préférait faire force, il préférait un espoir, mécanisme, institution internationale qui va venir dans la médiation et dans la médiation ça y encore une fois ça non seulement la consommer temps mais aussi République Dominicaine va très mal fini et fierté yo, orgueil yo pas permettre réellement que yo accepté yon ensemble des décisions que organismes internationaux va prendre ça capable même déboucher sur une crise majeure côté encore une fois conflit à la pilon. Conseil par nous dans l'émission plus vérité. Haïtien qui gagne espoir que frontière va l'ouvrir demain matin, haïtien captain frontière ouvert lundi matin pour Jean République Dominicaine appréhender problème là. Nous capable de nous retirer ça dans tête nous parce que conflit a t'assemblé
conflit a pas duré bon des 3 jours encore. Personne pas connaît réellement qui l'a fini parce que autant de fois pas gagne un grand dialogue, un grand shit attendé entre autorités des pays pour yo entendre sur yon ensemble de points et capable gagne même mea culpa, pas saisir l'état haïtien même à entrer dans des dommages. Parce que gagne en pile dommage qui fait gagne haïtien qui bloqué en République dominicaine, gagne marchandises commerçants qui perdu départ et d'autres. Ça veut dire que son processus qui va le prendre temps et là vraiment n'a dit haïtien yo faut que nous mettions roche cravette sur que nous parce que problème là pas ni pour aujourd'hui ni pas ni pour demain solution crise ça que nous là dans là parce que le président du dominicain là pas comprendre rien de ça le pays d'Haïti dans niveau diplomatie c'est zéro barré et chaque fois il parler c'est absé la mettre sous clou. Ça veut dire que problème ça nous pour connaître qui j'en a fait. Mille merci parce que tu es ensemble avec nous dans l'émission ça. Nous t'a souhaité dans la prochaine émission hein, nous venons dire que le problème dans les résolu. Mais nous là nous avons observé et n'importe qui nous côté qui gagne, nous pas hésiter pour tel pour. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plusurité, partager information hein, ensemble en nous grandir, enfin en nous grandir plateforme Plusurité. Merci, à la prochaine.